J'écris. Pour me rappeler que je suis en vie, j'écris. Pour donner la parole aux 100 000 voix que j'ai en moi. Et moi. On est en quel mois déjà? Janvier, février, non. Mais on est quel mois? Je veux dire par rapport à toi, de toi à moi, sans toi, il pleut. Il pleut dans ma maison. Tu le crois que c'est la crue? Des murs. Sans toi. Cahier. J'écris pour dire que si je suis, vous êtes. Et si vous êtes, je suis, vous me suivez? J'écris. Peut-être. J'écris pour appréhender le temps. J'écris. Pour être au présent. Pour être. Peut-être. Là demain. Tout le temps. J'écris. Parce que c'est ma liberté, la seule peau qu'il me reste. Entre le choléra et la peste, ma liberté, la seule que j'ai, j'écris. Pour vider mon encre, cracher ma valda. Savoir soulever mon encre et partir à... Bas, là, oula, oulala. Je ne sais pas mais j'écris. Je crie. Je ris. Je ris, juste pour dire que je suis en vie. En vie de quoi? Des 100 000 voix, dans la tête. Oui, ils sont sympas, mais ils ne savent pas. Savoir quoi? Que dès lors, dehors, si tu sors, tu ne t'en sors pas. Entravé, lié, surveillé, si tu sors, c'est presque la mort. Masque, manque d'air, délation, humide, putride, mouillé, écaillé. Amande, t'es grillée. Si tu sors, si je sors, pas de raison, pas d'attestation, sans raison, arrestation, résilience et... silence. J'écris. Encore. J'écris pour dialoguer avec quelqu'un. Quelqu'un qui aime. Quelqu'un qui vit. J'écris pour moi-même. Pour être mien. Et j'aime. Je suis presque bien.